et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui sans une grande introduction devant à nouveau les écrans et ce clavier très sale de ce TO16. J'ai pas eu le temps la semaine dernière de terminer la vidéo parce que j'étais surchargé de travail, mais voici donc la suite. Donc sans plus tarder, on va s'intéresser tout de suite au clavier. Donc je vais entièrement le démonter et le remettre un petit peu plus d'aplomb, regarder un petit peu l'intérieur dans quel état il est, parce qu'il semble que lui aussi il est trempé. D'après ce que j'ai vu derrière le clavier, il y a des marques, il y a une marque de niveau donc, qui montre qu'il était piqué debout et qu'il a trempé aussi. Donc un bon nettoyage ne lui fera pas de mal de toute façon. Donc je vous retrouve tout de suite avec le clavier démonté et nettoyé et on va pouvoir, vous allez pouvoir découvrir justement combien de pièces contient ce clavier et après je le remonterai avant qu'on s'attaque à l'écran. Donc à tout de suite. Et voilà un clavier démonté et propre. Donc, eh bien, ce que j'avais découvert, c'est que il était mouillé jusqu'ici. Voilà, j'avais des traces de niveau ici sur toutes les pièces. Donc, ça veut dire que le clavier était aussi piqué debout avec la machine. Donc, un clavier Thomson de TO16, c'est plein de plongeurs qui vont dans la plaque ici. Ensuite, on a des ressorts, des gros ressorts qui vont sous chaque touche. Et finalement, on a pas mal de touches. Donc, je ne les ai pas rétro bright. Cette fois, je remonte la machine dans son état dans lequel elle était. Le but étant qu'elle soit propre et fonctionnelle. Pour le RetroBrite, j'ai eu une mésaventure. J'ai sorti une machine que j'ai RetroBrite l'année dernière, qui était super jolie, super blanche. C'était un beau TO8. Et j'ai découvert qu'il était blanc, il mouchetait de jaune. Donc ça me refroidit un petit peu sur le RetroBrite. Donc on verra si j'en refais encore ou comment ça va se passer dans le futur pour les machines que j'ai déjà faites. Mais avançons sur ce TO16, je vais remonter tout le clavier, j'ai tout nettoyé, y compris le fil et tout. Donc j'en ai pour un petit moment à remonter ces quelques centaines de pièces. Et je vous retrouve quand le clavier est monté pour s'intéresser à l'écran et on regardera peut-être si on peut démarrer le disque dur. La première étape du remontage, c'est de mettre déjà tous les plongeurs dans la plaque, histoire qu'ils soient bien capturés. Ensuite, on va mettre la plaque électronique, le PCB par-dessus. Voilà, et j'ai plus qu'à fixer le PCB, et ensuite de l'autre côté, faut remettre les ressorts un par un, faut mettre tous les ressorts, et ensuite on met toutes les touches, tout simplement. Donc je continue de le remonter. Et voici un clavier de remontée. Donc je viens de le brancher, donc on va démarrer la machine, voir s'il est bien reconnu et s'il fonctionne. Bon, il bip encore beaucoup, hein. Je pense que j'ai encore un problème du circuit d'horloge. Je pense qu'il ne détecte pas qu'il y a une pile dedans. J'ai installé la Compact Flash avec la Low-Tech XTDE de l'autre Thomson pour voir un petit peu, pour pouvoir le démarrer plus rapidement qu'avec une disquette. Donc, si on fait NumLock, déjà ça s'allume. Scroll Lock, ça s'allume. Caps Lock, ça s'allume. Et le clavier semble, ma foi, très bien fonctionner. On va refaire un peu plus de tests. Donc, pour moi, c'est tout bon. Le clavier, c'est bon.
Avançons un petit peu. Alors, essayons voir de démarrer ce disque dur. J'ai fait chauffer un petit peu en laissant la machine allumée avec le disque qui ne se lançait pas. Et là, je refais un essai. Va-t-il démarrer? Et voilà, il démarre. Ah, par contre, il s'est déjà arrêté. Il a déjà planté. Ah, j'avais réussi un autre démarrage. C'est malheureux. Alors que je ne filmais pas où il l'avait chargé jusqu'au bout. Et j'avais pu commencer à broser le disque. Mais il y a vraiment un problème électronique avec ce disque. Donc voilà, donc il ira pas plus loin que ça. Je vais vous montrer le disque d'un peu plus près, ce que je lui ai fait et qui n'a rien apporté. Mais au moins vous voyez que ce disque, il a peut-être une possibilité de repartir. Donc ce disque, ce que je lui ai fait, c'est que j'ai changé quelques condensateurs. Bon, c'était des axiaux, j'ai remplacé par des radios. C'est pas superbe, mais bon, au moins ça fait son effet d'avoir remplacé quelques condensateurs. Mais malheureusement, ça ne change absolument rien au comportement du disque. Il y a les deux drivers de moteur ici qui sont un petit peu chauds, quand, plus chauds que les autres pièces, que les autres puces quand ils fonctionnent. Donc je ne sais pas si ça vient de là, mais il y a aussi des transistors ici, donc... Je ne sais vraiment pas ce qu'a cette carte électronique, mais il y a quelque chose, il y a un composant qui est fatigué sur cette carte et qui fait que le disque ne démarre pas tout le temps et plante. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a du contenu sur ce disque et j'aimerais bien le récupérer. Donc je vais abandonner pour le moment avec ce disque dur et on va maintenant s'attaquer à l'écran. Donc intéressons-nous à cet écran qui a fumé. J'ai enlevé le capot arrière, donc c'est des petits clips qui sont là, hein, qui sont à appuyer avec un tournevis. Et maintenant, bah, je ne sais pas trop comment démonter plus loin, mais j'ai pu remarquer qu'on peut tirer un petit peu la carte mère et ça va peut-être aller. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut la sortir parce qu'après on est gêné par le NEC. Ben bon, je peux certainement le débrancher, mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que je peux pas le décharger parce que c'est tout à fait dans le fond et je me vois pas passer un bras dans l'électronique pour aller le décharger comme ça. Donc je vais pas aller plus loin. Mais il me semble, moi, je vais approcher la caméra pour vous montrer. Il me semble, moi, que ce que je vois ici, c'est un condensateur X2 et ici aussi. Et en le regardant de près, celui-là, il a l'air d'être un petit peu éclaté. Mon tournevis s'accroche là sur le côté et je pense qu'il est cassé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'écran sur le côté et je vais essayer de le dessouder comme ça sans sortir davantage la carte mère. Essayer d'avoir celui-là et celui-là de composants et de regarder si c'est vraiment des X2 et les remplacer le cas échéant. Donc, je vais faire ça. Et bien voilà, je les ai enlevés, c'était bien des X2, il y en avait un entre ces deux bornes là, et l'autre vachement difficile à accéder entre ces deux bornes là, et pas de surprise, voilà un qui a bien fumé, donc il est bien éclaté, et l'autre est pas beaucoup mieux puisqu'il a commencé de fendre ici. Donc, je vais les remplacer par des neufs et je vais tâcher de les souder à la même place. Voilà, c'est un remplacement de X2 sans démonter l'écran. Heureusement qu'ils sont du bon côté, on va dire. Donc, je remets deux X2 et je vous retrouve après. Et voilà, deux condensateurs X2 de remontée. Ça ne fut pas facile de les passer dans les petits trous, les fils. Mais voilà, il n'y a plus qu'à couper et à essayer l'écran après.
Et voilà, bon, j'avais débranché quelques fils, donc je vais rebrancher les fils, je vais repousser la carte, je vais mettre l'écran sur la machine et on va tester si ça marche. Le TO16 est démarré, l'écran, ben, le bouton est cassé, donc j'ai mis un petit cure-dent pour retenir le bouton, parce que sinon il a la même maladie que les écrans Amstrad, le bouton est cassé. Et maintenant il est temps d'alimenter l'écran et voir s'il va fumer, exploser, démarrer. J'ai un petit peu peur, donc je l'ai branché à la multiprise et je vais aller allumer la multiprise. Et voilà un écran qui fonctionne. Voilà, je vais maintenant pouvoir m'occuper de finir de le remonter. Et je vais le nettoyer un peu. Et voilà, ben, j'ai un deuxième écran EGA. Il est un petit peu faible en luminosité. J'étais obligé de tout pousser à fond pour voir quelque chose affiché à l'écran. Mais ça doit pouvoir se régler, ça. Donc, je vais nettoyer l'écran. Et je vous retrouve après. Et voilà un écran tout propre. Quoi, un peu moins sale qu'il n'était parce que c'est des traces très difficiles à enlever. Et on est devant maintenant un TO16 XP-HD qui est fonctionnel. Donc on a retrouvé le fleuron de la gamme Thomson PC. Voilà le tout dernier, le plus évolué avec son disque Microscript que je n'ai pas réussi à redémarrer. En EGA, mais cette machine n'a malheureusement que 512 kilooctets de mémoire et pas 640, donc je verrai peut-être à lui mettre un petit peu plus de mémoire pour la pousser à 768 parce qu'on peut dans celle-là. Il en réserve une partie à ce moment-là pour la mémoire virtuelle, mais lançons un petit jeu. Et c'est parti en son IBM. Ah, il me demande quelque chose. Et voilà le son du speaker. Mais allons-y. C'est pas si facile qu'avec une souris, hein. Donc après cette petite partie d'Arkanoid, voilà, je termine maintenant cette vidéo sur ce petit jeu qui marche aussi sur le speaker en EGA.
Voilà, et qui fait pas mal de bruit. Donc mon XP HD est maintenant tout fonctionnel et même les jeux fonctionnent. Donc je vais peut-être même utiliser celui-ci pour faire le maître du nano réseau. On verra bien parce qu'il y a plus de place, je peux l'avoir en EGA. Mais bon, non, peut-être pas parce que la carte nano réseau elle rentre en conflit avec les cartes son si je lui mets une carte son. En tout cas, ce sera tout pour cette fois. Donc portez-vous bien et à la prochaine.